Voilà, au-dessus de la chapelle d'abondance, le parking de Chevennes. Départ d'une belle sortie vers les Cornettes de Bise. On va partir par là. Et ben c'est tout droit pour l'instant. Et juste après, c'est pas tout droit. C'est à gauche. Et quelques mètres plus loin, c'est tout de suite à droite. Direction le pas de la Bosse. Voilà, faut pas y aller trop fort au début, on est tout de suite sur un très joli sentier. C'est un GR. Il n'est pas gros, mais il monte très raide. Et attention, prévoyez un produit contre les temps. Il y en a beaucoup sur le sentier de la montée. Bon, pour l'instant, je ne connais pas encore les noms, ni des cols, ni des pics, ni des monts. Mais bon, c'est joli. Le GR5 rejoint un large sentier d'alpage qui arrive au chalet de la Chenaux et on va continuer jusqu'au pas de la Bosse là-haut. Des cornettes au-dessus bien sûr. Les papillons adorent le caca apparemment. Et voilà le pas de la Bosse. Je suis monté juste au-dessus. Pour voir ce qui se passait en dessous, parce que je voulais voir le paysage sur le hameau de Bise en bas. C'est très joli le fond de la vallée là. De l'autre côté, il y a un petit chalet en ruine que je suis passé devant tout à l'heure. Puis là, je vais prendre le sentier qui monte vers les Cornettes. Tiens, il y a du monde. Du pas de la Bosse, ça traverse un peu de niveau. Et ensuite, ça grimpe par le petit couloir qui est là. Le sentier est très sympathique, ça grimpe raide, c'est plutôt facile, il y a quelques petits passages légèrement acrobatiques pour l'instant. Et ça a l'air de continuer comme ça. On est dans la réserve naturelle des Cornettes de Bise. C'est une zone protégée en fait. Et le sentier monte toujours aussi raide. Il est toujours aussi sympathique, c'est vraiment superbe.
Ça grimpe toujours très bien. Plus bas, côté bise, le parking est plein. C'est très fréquenté de ce côté. Voilà, petit passage un peu plus aérien. Le sentier est bon, c'est pas compliqué, c'est pas plus dur qu'à la tournette pour ceux qui connaissent. Mais bon, on peur du vide, s'abstenir quand même. Allez, on va poursuivre. Arrivé à la falaise sommitale, on va dire. Ne pas aller trop à gauche. C'est un faux itinéraire. Montez à droite. C'est fléché, faut repérer les flèches. Là, il y a un petit passage où il faut mettre les mains, mais c'est pas compliqué. Par contre, il faut éviter quand il pleut et à la descente aussi. Ensuite, ça va continuer à flanc derrière. Petit passage délicat. Avec une prise de main naturelle. Voilà, là c'est plus facile. Ça a contourné toutes les barres rocheuses en fait. Et après, ça va suivre plus ou moins la crête jusqu'au sommet qu'on aperçoit déjà. Un petit panoramique, mais je dirais rien parce que je connais pas tous les sommets, et en plus avec le vent qu'il y a, on va pas m'entendre. C'est la Dordoche. Au fond, c'est le Jura. Côté bise a été délicate, elle est réservée aux randonneurs expérimentés, on va dire. Je vais descendre de l'autre côté. Par les chalets et le col de la Verne.
c'est plus facile. Donc voilà un qui est très coopératif. Il est tout seul, le pauvre, il doit s'ennuyer. Il doit être à 3 mètres de lui, pas plus. Il lèche les cailloux, sans doute pour trouver des sels minéraux. Dommage que j'ai pas de sel, hein, je t'en aurais donné. Bon, il a envie d'aller ailleurs. Tiens, on dirait qu'il a le binos sur.
Me voilà au chalet de la Calaz. Avec la tour en Tavaillon. La descente est très facile de ce côté-là. Je conseille cette face-là pour ceux qui craignent un peu le vide et les rochers. Non, il n'y a plus qu'à descendre. On rejoint le gros chemin qui va nous conduire jusqu'à la voiture. Allez, une petite tête à la fontaine juste avant d'arriver, ça va faire du bien.